ça, on va toujours l'ouvrir. Pour toujours avoir le talon libre. D'accord ? On ne connaît pas trop la Corse pour la neige, en fait. Beaucoup pour, allez, on va dire GR20, pour la plage. Alors que si on organisait des séjours pour les gens, aujourd'hui, on pourrait faire de la raquette dans de la poudreuse. Et demain, aller manger en bord de mer. Alors moi je suis en formation pour être AMM, donc accompagnateur de moyenne montagne, et dans le cadre de ma formation je dois réaliser un certain nombre de randonnées, dont sur des massifs enneigés. C'est un terrain qui est un peu plus difficile que les autres massifs, mais volontairement beaucoup plus intéressant pour y travailler et y apprendre beaucoup, parce que c'est vraiment très très varié, quoi. Les avalanches peuvent se passer, on en parlait avec Sébastien, la dernière fois il a marché sur du plat et il a entendu fou, le manteau neigeux. Il faut imaginer ça comme des couches. Il tombe 10 cm, après il en tombe 20, après 40, 50. Et donc si vous mettez du poids dessus, imaginez un château de cartes qui peut soutenir du poids, mais si on le bouge un peu, il va s'effondrer. On est dans ma vallée, hein. On est dans ma vallée, hein. Où je bosse l'été, l'hiver. On est l'endroit que j'apprécie beaucoup en Corse. On a envie de leur faire partager, on a envie de montrer un peu ce qui nous plaît. Au travers des activités qui sont ludiques quand même. Voilà. C'est magique. Il y a de la neige, du soleil, une poudreuse de fou. C'est vraiment exceptionnel. La montagne, ça ne s'improvise pas et il faut un guide. La montagne, ça peut être dangereux, donc il ne faut pas s'aventurer tout seul. À droite, il y a un sommet. Juste là-bas, derrière l'arbre mort, ça c'est le Monte Cin. Alors le pique-nique, en général, tout le monde prend son pique-nique. Et moi, j'amène toujours de quoi grignoter, des choses de la vallée, de la région. On essaie de découvrir aussi d'autres choses que la montagne, les choses qu'on y produit aussi, c'est ça l'intérêt. Les choses que les bergers, que les apiculteurs, que tous les artisans font dans ces régions un peu d'altitude, de montagneuse.